Salut gameuse, salut gamer, je suis Time et bienvenue sur Time Erase Games. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent, puisque je voulais faire une vidéo un petit peu réaction à toutes ces réactions justement des joueurs PlayStation suite au rachat de Activision Blizzard par Microsoft et expliquer en quoi finalement ce n'est pas si grave et en quoi vous êtes toujours les rois du monde, joueurs PlayStation. Ne vous inquiétez pas, Microsoft ne vous a pas encore rattrapé même avec tous les rachats du monde. Et pourquoi finalement, en fait, ce rachat et le rachat de Bethesda ont été provoqués par Sony. Voilà. Donc, c'est une petite chronologie comme ça de ce qui s'est passé à la génération précédente et pourquoi on en est arrivé là maintenant. Revenons à un temps chéri par les joueurs PlayStation et un cauchemar des fans de la Xbox 360 le 21 mai 2013. Microsoft présente la Xbox One, un boîtier de la taille d'un magnétoscope qui n'est mis en valeur qu'à travers des applis pour regarder la TV, un nouveau Call of Duty et des jeux de sport. Ah, et j'oubliais presque, le Kinect obligatoire. Tout cela au milieu de leaks qui disaient qu'on ne pouvait pas prêter un jeu à un ami sans un système complexe d'échange de licences. Une catastrophe sur laquelle Sony a surfé, voire même construit sa réussite quelques semaines plus tard. Des jeux exclusifs excitants, l'échange de jeux sans restriction et un message « Nous sommes la plateforme des joueurs et pas un fourre-tout multimédia ». Et la bataille, qui était serrée jusqu'alors, est devenue une balade de santé pour le géant japonais. De Bloodborne à Uncharted 4, les succès se sont enchaînés, les jeux tournaient mieux que sur la console d'en face, la hype était quasiment constante et le monde était à leurs genoux. DLC exclusifs dans tous les plus gros jeux, sorties exclusives pour quelques mois ou pour toujours, au même moment, Xbox retarde ses rares exclusivités comme Quantum Break et Halo 5, déçoit avec des projets moyens comme Record et State of Decay 2, ou devient détesté pour l'annulation de Scalebound ou Fable Legends qui s'ajoute à la fermeture de Lionhead Studios. Il n'y avait plus beaucoup de raisons d'acheter une Xbox ou du moins aucune raison de ne pas avoir une PS4. Même après une baisse de prix et débarrassé du Kinect, même après l'interminable attente d'Halo 5 et Gears of War 4, et même avec les deux succès de Cuphead et Ori and the Blind Forest, la marque Xbox était revenue à sa forme originelle, la console qu'on a au lieu de la PlayStation. Arrive Phil Spencer au milieu de cette seconde moitié de génération, et là je ne vais pas vous faire le détail, la rétrocompatibilité, le Game Pass, la Xbox One X sont là pour redorer le blason d'une marque meurtrie, presque abandonnée. Mais difficile de refaire son image quand on ferme des studios en boucle, on annule des projets, et on n'a même pas fait une suite de Project Spark. Ça ne suffit pas néanmoins, le problème central répété sur les forums, dans les cours de récré, sur les réseaux sociaux est toujours là, sous une phrase caricaturale, « La Xbox n'a pas de jeu ». Une phrase à traduire par « La Xbox n'a pas de jeu incontournable » bien sûr. C'est l'heure de la réaction, nos studios maison ne sont pas assez capables, il nous en faut d'autres. Phil Spencer sait qu'il a besoin de 109, il achète donc en 2018 Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs et Compulsion Games. Il fonde The Initiative la même année, puis c'est le rachat en 2019 de Double Fine, connu pour ses jeux arty, World's Edge, les mecs de Age of Empires. En 2020, c'est Bethesda et sa dizaine de studios spécialisés en jeux solo, et en 2022, c'est Activision avec sa vingtaine de studios surtout spécialisés en multijoueur. Tout cela pour arriver à plus de 30 studios couvrant tous les genres, du RPG au jeu de course en passant par la plateforme en 3D. Alors Microsoft essaye-t-il de s'acheter une place sur le marché faute de savoir créer de nouvelles franchises AAA rentables? Oui, oui, personne ne va contredire ça je crois. Quelqu'un? Non, non, tout le monde est d'accord. Mais reprenons cette chronologie du côté de PlayStation, échaudée après la réussite incroyable de la Xbox 360 qui avait convaincu même les plus hardcore des fans Sony avec ses exclusivités japonaises, ses jeux indés intrigants et son meilleur hardware à un meilleur prix. 10 juin 2014, Sony signe un contrat avec l'éditeur Devolver Digital pour recevoir leurs 6 prochains jeux en exclusivité sur PlayStation dont Hotline Miami 2, Titan Souls, Broforce, ce sera l'éditeur indé le plus populaire de toute la génération. 9 septembre 2014, Destiny sort avec un contenu exclusif sur PlayStation pour chaque expansion, un contrat qui va durer jusqu'à la sortie de Destiny 2 et même jusqu'à la séparation de Bungie et Activision 5 ans plus tard. 7 juillet 2015, Sony paye pour un contrat PS Plus d'exclusivité
pour Rocket League, devenu un géant multijoueur, et les joueurs PlayStation reçoivent encore régulièrement un contenu cosmétique exclusif pour les membres PS Plus, encore aujourd'hui. 24 mars 2015, Bloodborne sort exclusivement sur PS4, From Software, dont le dernier jeu, Dark Souls, était sur 360. 16 février 2016, Street Fighter V sort exclusivement sur PS4 et PC, il ne sortira jamais sur Xbox, la Xbox qui avait reçu Street Fighter 4 sur 360. 19 août 2019, Sony achète Insomniac Games, créateur de Spider-Man, mais aussi de Sunset Overdrive, exclusivité Xbox One. 29 juin 2021, Housemarque, qui avait sorti Outland sur 360, est racheté par Sony. 1er juillet 2021, Nixis Software, spécialisé dans les portages sur PS3, mais aussi Windows et 360, est racheté par Sony. 30 septembre 2021, Bluepoint Games, qui avait travaillé sur le portage de Titanfall sur 360, est racheté par Sony. Et enfin, le 10 décembre 2021, Valkyrie Entertainment, qui a réalisé des pistes et le design des courses de Forza Motorsport 7, est racheté une nouvelle fois par Sony. Alors, que veut dire cette chronologie ? Bah, tout simplement, c'est que Microsoft et Sony sont tous les deux en quête de talent, en quête d'entreprises créatives qui vont renforcer leurs équipes, et il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il n'y a pas un qui fait des rachats et l'autre qui n'en fait pas. Et bien sûr, dans ces rachats, il y a toujours des gens qui travaillent pour une boîte ou pour une autre ou pour plusieurs plateformes. Et donc tout ce qui les différencie finalement, c'est un petit peu le budget. Aujourd'hui, Microsoft continue d'être généreux pour regagner la confiance avec son Game Pass qui reste abordable, ses acquisitions importantes pour rendre le service incontournable et ses initiatives de rétrocompatibilité et d'upgrade gratuite des jeux d'une génération à l'autre. Toujours aujourd'hui, Sony continue à produire un tas de jeux exclusifs maison, très bien notés par Metacritic, par la presse en général, mais aussi de payer pour des exclusivités qui ne devront pas sortir chez la concurrence, FF16, Deathloop, Forspoken ou Stray, quand on parle des indés. La différence est que l'un est en position de challenger à rendre ses services moins chers et ses jeux plus faciles à jouer grâce au Game Pass, l'autre profite de sa position dominante pour monter les prix de ses exclusivités à 80€, rendre les versions next-gen payantes une fois sur deux, rendre incompatibles les manettes de l'ancienne génération sur les nouveaux jeux, compliquer le processus pour éviter que le crossplay soit généralisé. On entend déjà des rumeurs de Game Pass version PlayStation avec le projet Spartacus et peut-être même de rétrocompatibilité pour la PS5, et si tout ça arrive, c'est parce qu'ils ont un partenaire de danse. Comme un yin et un yang, Sony a poussé Xbox à se remettre en question et Xbox commence à pousser Sony à se remettre en question. Alors, est-ce que je joue plus souvent sur Series X que PS5 et je suis parti pris ? Totalement, en ce moment, je joue beaucoup plus sur Xbox que sur PlayStation. Mais finalement, il y a des avantages aux deux. Et c'est ça, en fait. Le principe de cette vidéo, c'est que aucune des deux consoles n'est meilleure qu'une autre. Elles sont simplement meilleures dans différents domaines. Et si vous pensez que le rachat d'Activision vous prive de Call of Duty, bah, je vous dirais qu'un joueur Xbox n'aura jamais de jeu Spider-Man. Si vous pensez que la PS5 mérite de jouer au prochain Diablo, eh bien je pourrais vous répondre que les joueurs Xbox aimeraient aussi jouer au plus gros JRPG qui va sortir de ces prochaines années, qui s'appelle FF16, ou même FF7 Remake. Donc voilà pour les exemples. Vous voyez que si on prend un petit peu de recul sur toute cette situation, eh bien finalement, il y a toujours un lésé. Aujourd'hui, tout le monde devrait se réjouir de tout ce qui arrive sur nos consoles. Sur PlayStation, vous attendez quoi ? Vous attendez Gran Turismo 7, vous attendez God of War Ragnarok, Horizon qui sera peut-être sorti quand j'aurai sorti cette vidéo. Et puis du côté de Xbox, on attend Starfield, on attend Redfall, on attend Avowed, on attend énormément de projets puisqu'il y a énormément de studios qui sont en production. Et donc, il n'y a pas assez de temps dans le monde pour jouer à littéralement tout ce qui sort sur chaque console. Voilà, c'est tout pour cette petite lettre aux joueurs PlayStation, qui est finalement une lettre en fait en général à tous les gens qui aiment faire la guéguerre sur internet pour finalement expliquer que ce qui se passe aujourd'hui, même si on peut avoir peur des monopoles, de voilà, la fameuse consolidation hein, qui est le buzzword du moment, pour l'instant
tout va bien, il n'y a pas de, y a pas vraiment de déséquilibre, je pense, dans le monde du jeu vidéo, et on est au courant depuis peu donc que Call of Duty sortira l'année prochaine et l'année d'après sur PlayStation, donc du coup que même cette transition là elle prendra du temps, et que d'ici là ça poussera Sony à faire enfin un nouveau FPS. Et donc, est-ce que finalement ça va pas être au bénéfice des joueurs PlayStation d'une certaine façon, qui demandaient par exemple un nouveau Killzone ou un nouveau Résistance? Vous voyez que si on prend deux secondes pour se calmer et ne pas appeler la haine contre Phil Spencer, eh bien on peut voir les côtés positifs finalement de cette situation, parce que plus il y a de concurrence, plus les sociétés vont devoir se sortir les doigts des fesses. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée en entier. C'était mon premier essai, entre guillemets, de ce style-là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour plus de news d'Halo Infinite, pour des opinions comme celle-là, et des news de la Xbox. À toutes.